Là, tu trouves un enfant de 14 ans qui a déjà un enfant. Oui, c'est comme ça. Au Congo, oui, c'est comme ça. Un enfant de 15 ans qui a déjà un enfant. Oui. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ma grand-mère a mis au monde à 14 ans. Ma mère. Ma mère a été née par une femme qui avait 14 ans. Oui. Parce que les femmes commencent à avoir des périodes là à 12 ans, 10 ans même. Donc Dieu qui avait créé, qui a mis que les périodes là viennent à 10 ans, 12 ans, c'est-à-dire Dieu dans sa création avait déjà prévu que l'enfant déjà à 14 ans peut déjà être mère. C'est les théories des occidentaux ceux qui vous disent non, il faut que l'enfant ait 18 ans. 18 ans par rapport à qui? Ceux qui ont mis ces histoires là, ils se sont arrangés. 18 ans. Oh, c'est l'enfant. À 18 ans, l'enfant a la maturité. C'est faux. Il y a même des gens, des garçons et des filles qui ont déjà 24 ans, qui sont toujours immatures. Il y a des enfants qui ont 15 ans. Vous les voyez comme ça, matures. Ils réfléchissent. Les Blancs nous ont fait gober des choses que nous avons acceptées comme ça aveuglément. Pour 14 ans, c'est un mineur. 18 ans, c'est majeur. Par rapport à quoi? Donc, ce qu'eux, ils ont décidé, ils appliquent ça dans tout le monde. Oh, c'est anormal. Non, 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 ce n'est pas des enfants. C'est vous qui dites que ce sont des enfants. Ce ne sont pas des enfants, c'est des personnes qui peuvent déjà avoir. Mais pourquoi vous ne comprenez pas que Dieu, si Dieu trouvait que 14 ans, c'est un enfant, Dieu pouvait mettre les règles, donc qu'on appelle les périodes, vous pouvez commencer à sortir à 20 ans. N'est-ce pas? Si Dieu qui a créé le monde a trouvé que une femme peut voir déjà ça à 10 ans, c'est-à-dire à partir de là, elle peut procréer, elle peut avoir des enfants. N'enseignez pas Dieu. Si Dieu n'a pas trouvé que c'est un problème, vous les humains, comment dans votre réflexion, on vous dit 2 plus 2 égale 4, vous croyez? Qui vous a dit que ça c'est 2 et ça c'est 2, ça fait 4? Ce sont des humains qui ont inventé leurs histoires. Ils ont dit que ça c'est le soleil, ça c'est la lune, ça c'est le blanc, ça c'est le noir. Nous croyons à tout ça. Nous croyons. Dieu dans sa création met dans l'enfant un enfant de 14 ans, fille, un garçon de 14 ans, ils peuvent déjà avoir un enfant. Si Dieu a posé ça dans ces deux individus, vous allez enseigner à Dieu que c'est mauvais, ce sont des enfants. Donc vous enseignez à Dieu ce que les hommes ont décidé. Vous dites à Dieu, Dieu, nous on a trouvé que c'est 18 ans qui est l'âge normal. Toi, 14 ans là, c'est pas bon. 13 ans, c'est pas bon. Non, ça n'a pas de sens. Vous ne comprenez pas que c'est nous les humains qui imposons notre propre raisonnement. Aujourd'hui, on peut vous dire, même 18 ans là, ce n'est plus l'âge majeur. On porte ça à 24 ans. Vous allez croire. Parce qu'on vous a imposé le coronavirus ici. Vous avez fait 2 ans dans la maison en train de porter les masques. Vous avez accepté ça. Ce sont ces Blancs qui se jouent avec nous. Quand ça les plaît, bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ils jouent la carte. Les milliardaires là, non? Ils jouent des cartes. Ils prennent du vin. Ils jouent des cartes. Il dit, Robert, qu'est-ce que tu as à l'esprit maintenant? Il dit, j'ai à l'esprit de faire consommer au monde telle chose. Ah bon? On va faire ça. Comment ça va se faire? Sois calme. J'ai déjà une formule, ça va s'appliquer maintenant et le monde entier va accepter ça. C'est comme ça que ces gens-là font. Ils nous imposent des choses et nous tous nous acceptons. Bon. Ici, on ne parle pas seulement des sujets, on parle même de la vie, on enseigne.